graphisme et le découpage, le graphisme, on peut se le faire d'abord au sol, par exemple, si on veut. Après, si vous voulez, on peut l'intégrer, par exemple, demain sur la structure. On n'est pas obligé de faire comme ça aura le temps de sécher, par exemple. Ça veut dire qu'il faut quand même que les volumes soient posés vraiment à 10 heures, qu'on puisse voir les points qu'il faut éclairer. Donc 10 heures, c'est un peu la deadline pour la structure globale et que Maëva cette structure est intéressante et du coup on colle sur la main. Donc, ou alors on recoupe des petits rectangles de couleur. Mais ça fait ici, ici une arme. Il y a les cuves. On voulait tracer à la craie avant l'espace libre. Attendez, parce que là il faut peut-être calculer par rapport à la longueur des. Parce que si tu veux, sinon on oublie la ligne qui descend. Et c'est dommage parce que quand on est dans l'espace ici, on a fait quelque chose qui n'est pas agréable. Born yesterday, or I'm so desperate to ask you to stay. The truth is, I'm just happy to accommodate. Une forme descendante de part et d'autre et une forme ici centrale. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Il faut voir en bas déjà comment ça tient quand on les met les uns sur les autres. En en faisant plusieurs, en les empilant comme ça, déjà on voit comment ça peut tenir. Il n'y en a pas, il comme du crêne, tout comme ça, c'est costaud. Faire le taureau à forme et le fixer contre les rails au-dessus pour. Mais ça dépend de quoi on peut ça, le faire. Hein. Oh non, ça pèse pas quand même à 50. C'est quoi? Quelque chose les formes en ondulé là. Il y a un rouleau d'ondulé. Ça pèse rien moi. Non, c'est pas normal. Comment tu peux le faire? La palette, c'est là pour ça. Ah, la palette, c'est là pour ça.